Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 3 de Beat the Cupidon. J'espère que vous allez bien. Bon, qu'on se le dise, aujourd'hui on veut de l'action dans Beat the Cupidon. C'est vrai que le dernier épisode était un peu pauvre en contenu, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne fait que 7 minutes. Je tiens à m'excuser auprès des gens qui ont trouvé ça un petit peu court, mais je vous ai vraiment mis que l'essentiel. En tout cas, aujourd'hui il va y avoir beaucoup d'action dans cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et c'est parti pour l'action. Ah, Turskay a été éliminé par Bichard. Du coup, a tué entièrement son équipe. Bien évidemment, bah voilà, comme quoi, il commence à rouler sur la game. Hein. C'était prévu, c'était la team gagnante. Attendez-vous que la prochaine saison soit The Guild, notre cher défenseur. Il voulait faire défenseur, hein, mais je lui ai dit, bah non mec, attends, j'ai encore ma place en tant que défenseur. Je ne l'aurai peut-être plus au prochain, parce que tu es là cette saison, mais sinon, alors peut-être qu'ils sont 0-0. Ah, c'était sûr que c'est une team très forte, deux joueurs très forts. Malheureusement, on n'a pas pu les split pour qu'ils soient avec d'autres personnes parce qu'ils ne connaissaient pas forcément les autres personnes de la game. Mais voilà, moi, comme je dis, les gars, je suis content que vous soyez là. Mettez-vous ensemble si ça vous fait plaisir et que vous allez bien délirer. Je préfère ça que vous passiez un mauvais moment, quoi. Je vais me rapprocher un peu. Parce que, de toute façon, la bordure commence à bouger, donc il y a moyen qu'il se passe des choses. Faisons gaffe, je pense, à partir de maintenant. J'ai très peur de la team rouge foncé là. Ouais, que ça se finisse trop tôt. Ah si, il y a des gens là. Et une enclume là. Comme par hasard. Comme par hasard, ils sont là. Ah non, je les évite pour l'instant. Je pense que faudra attendre le bon moment. Je préfère faire une finale contre eux. Faire quand même quelque chose avant quoi. Et après me faire des boîtes quoi. Et après seulement me faire déboîter. Un peu plus tard quoi. On va se rapprocher encore un peu. Ils sont tellement nombreux. Quel plaisir. Ils sont 50 millions. Ils sont 50 000, ils sont tous là. Ils font une réunion, ils étaient tous tranquilles en train de parler, quel plaisir. Bon, il doit y en avoir que ceux avec les chevaux qui doivent me suivre, je pense. Oh, horrible. Team Violet, c'était quoi? Arcasica sur cheval. Très bien. Oh, ils étaient tous là. Infâme. Infamie. Quelle infamie. Ça va être si compliqué. Cette fois-ci, ils se battent pas entre eux. Bah, si juste Bichard et tout qui ont tué des gens, mais ils se battent pas entre eux, ouais. Du coup, encore plus compliqué. Ouais, ils ont dû faire un pacte contre moi, je pense. Alors, voyons, voilà, on a une vue un peu de la plaine, on a une vue un peu sur derrière. Ah là là, ça va être si compliqué, les amis. Ah, ça va être si compliqué cette fois-ci. Je retarde juste ma mort, là. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis désolé, mais la foncer dans le tas comme ça, ça va être juste infâme, quoi. Je pense qu'ils sont en train de me chercher parce qu'ils m'ont vu. Mais je pense qu'ils me trouveront pas là. Pff, c'est compliqué là. Ça va être compliqué. Celle-là était belle comme flèche. Elle est passée toute seule là. Alors quoi, ils ont des chevaux. Je sais pas où ils sont. Oh. Ah oui, ça se fait. Ok, donc ça c'est la team Bichard et tout, ils sont montés sur la structure là-bas. Ça c'était sûr qu'ils allaient jouer les structures. Donc nous il faut aller fight de l'autre côté. Donc l'équipe d'Arcas fait un kill. Très bien, donc nous
J'ai vu qu'ils sont là-bas et qu'ils essayent de... Salut les gars! Ça va, ça se passe ou quoi? Hop. Hop. Oh, ça va, en fait, je suis pareil. Ouais, ça peut. En vrai, c'est pas facile de vous tuer. Hein. Ouais. En vrai, ouais, c'est. Non, non, mais c'est bien fait, c'est bien fait. T'as bien codé le plugin, Neutron. Hop, GG. GG, hein. En vrai, ça, en vrai vous te... ça tient bien, en vrai, le double. Après, j'avais résistance, moi, de mon côté, en effet. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, il y a un truc que j'ai compris. Ok, Arcas a été tué par le Zuggie. Il y a un truc que j'ai compris, c'est que si je vous mets des dégâts à tous les deux quand vous êtes à côté, en fait, c'est pas bon d'être forcément tous les deux au corps à corps, tu vois. Parce que du coup, ouais. Je vous mets double dégâts parce que je tape un puis l'autre. Ouais. Et voilà. Mais sinon, ça va, c'est cool. Ouais, du coup, je te. Allez. Et bon courage. Allez, à toutes. Hey, salut les meilleurs! Les futurs défenseurs, ils sont là. Ça va, les gars? Aïe, Non, c'est Cupidon qui tire des flèches. Ah, regardez-les. Non, eux, ils me défoncent direct, donc c'est ça le problème. Ils vont me défoncer. C'est des gagnants, ils sont là. Je sais pas s'ils me suivent ou pas. Bon, ils ont pas l'air de me suivre pour l'instant. Siphano OP. What? Ça a OP tout le monde. Qu'est-ce, ils vont full se give. Au secours. Ils vont tous se give. Potion de force 2. Aïe aïe. A voir s'il n'y en a pas qui arrivent par là. Je pense que de toute façon c'est le move à faire. En attendant, la bordure va bientôt arriver là, mais on verra. Bonjour. Eh bonjour. Ça va? Oh, 5 heures? Moi je m'en vais. Ils sont trop forts. Les deux pires duos. Au secours. Les deux pires duos, il y a Oh, c'est pas gentil. Bon, je vise les deux, on n'entend pas un. Putain, il... Ah là là. La caméra. Hop. Aïe. Ah, ça pique mon cucu. Ça pique mon cucu. Au secours. Ah, ça fait mal. Je fuis. Bah, en même temps, un V4, là, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Un V4, c'est un peu compliqué, là. Ah, non. Ça m'a fait piquer le cucu. Regardez, j'ai plein de flèches sur le cul. Au secours. Pauvre petit Cupidon. Pourquoi je peux pas fly, d'ailleurs? Cupidon, il peut fly. Genre, Neutron, fais-moi fly. Fais-moi monter sur les montagnes volantes. Après, du coup, ils se fightent pas, ce que je comprends toujours, parce que c'est pas stratégique de se fight entre eux. Hop. Ouais. Ouais. C'est l'arc de Cupidon. C'est l'arc du petit ange volant. D'ailleurs, pourquoi je peux pas fly? C'est pas RP. Vous voulez vous battre plus tard, hein? Je vous laisse tranquille. Hein? Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche. Ah, merde, j'ai plus de fleurs. J'avais des fleurs à donner. Attends. Tiens, je te donne une fleur, Siphano. Attends, non, vraiment, l'amour. Regardez, j'ai une table de craft. Vraiment. L'amour. Tiens, regarde. Une petite fleur blanche. L'amour, puis la haine dans 2 secondes après quand je vais la. Non, mais tout à l'heure. Ok. Ah oui, ils sont là, au secours.
Non, je donne de l'amour. Attends, Bichard, regarde. Tiens, je te donne une fleur aussi. Attends, viens, après. Viens, on va te donner de l'amour aussi. Viens avec nous. Viens avec nous. Ouais, non, je vous suis pas, je vous connais trop, vous. Non. Arrête. Voilà, je vous donne votre petite fleur, moi je me casse. Qui est bordel. Bon, est-ce qu'on continue à donner de l'amour? Ou pas? Je sais pas. On survit, comme on peut, par des stratagèmes étranges. On donne des fleurs, ça passe, ça a l'air de fonctionner. Mais à mon avis, ils ont fait un trap. À mon avis, ils ont fait un trap quelque part. À mon avis, il y a... Ouais, là, regarde, là. Regardez-moi, c'est débile. Hop. Ah là là. Hop. Les maçons du cube, vous connaissez? Ah, comment je les écrase? En vrai, je les connais trop, c'est ça le problème. C'est, je les connais trop. Ah, il y avait beaucoup d'amour dans ce trou, en tout cas. Ce trou humide, il y avait beaucoup d'amour. Ah là là. Ah! Shadow was laid by une loup-garou noir. MDR? Ah ouais, vraiment? Oh là là! Non! Qui c'est qui parle? Ah, des gens qui sont morts. J'entends des gens qui sont morts, ça ne va pas! Du coup, garou noir. Putain, il reste vraiment petit, moi. Du coup, ils sont où pour me montrer leur preuve d'amour, là? Ah ouais, j'ai vu votre preuve d'amour, les gars, c'était trop bien! Ah ouais, j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé ça vraiment. Genre, je sens que vous m'aimez, quoi. Genre un gros trou humide, je... Voilà, vous savez ce qu'il faut, quoi. Hit. On arrête l'arc, si tu veux. Hein. Vas-y, Guide, montre-moi comment t'es trop fort par rapport à moi. Ouais, tu vois, pourtant, vous faites mal, hein. Ah, ils vont me full combo. Vas-y, back, ouais. J'ai heal, là. Bon, allez. Ah, c'est mort, je peux rien faire, en fait. GG, les gars. C'était prévisible. Hein? T'avais en plus de vie déjà? Bah ouais, vous faites mal hein les gars, vous vous rendez pas compte mais Toi aussi mec, hein, je te rassure hein. Ouais, je sais. Mais ouais, mais vous pouvez vous heal pendant que l'autre ouais, fight. C'est vrai que ça joue beaucoup ça. Ouais, je pense. Bon, en vrai, on a failli crever tout à l'heure dans les fights hein, donc Ah ouais enfin, d'accord. Bah en vrai, on est sorti, on avait du P1 hein, pour on avait rien. Ah ouais. Mais tu crèves jamais? Ah bah j'ai deux barres de cœur moi hein. Bah vous aussi nous, d'ailleurs. Nous aussi. Ah oui. Non mais vous allez m'avoir à l'usir, c'était prévu. Bah. Ah GG. Ouais, back. GG les gars, laisse-moi manger ma dernière gap, vas-y, et après on finit. Vas-y. Oh bah GG, vas-y. Oh, GG les gars. Yes, je suis mort. Attends, non, mais... Mec. Ah, c'était ouf. GG. Ah bah... Fight, hein. On est dans la merde, là. Mais j'ai 11 cœurs, moi. J'ai 11 cœurs. La barrière. Viens. Bichard. Ah, vite, voilà. Bugué. Il faut qu'on aille crocheter coffre, gros. Ah non, mais j'ai essayé. T'as pas une gap, genre? Bah non, attends. GG les gars. Faut GG Magic. Attends, hein, si je peux crafter une gap. Ok, go, on va tenter un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer dans le coffre. T'as combien de vies? Ouais, voilà, c'est je suis mort. Comme ça, au moins, ça prouve que. En vrai, c'est dur. Quand vraiment les deux sont en train de combo, c'est très, très, très dur. De ouf. C'était compliqué. Surtout, ils sont très bons. Ils jouent très bien. Regarde, ils sont là les autres. Attends, recule le temps que je t'explique ma stratégie. Okay, ils ont plus de gap par contre, ça c'est... Mec, attends, moi j'ai une autre stratégie. Okay. Vous avez combien de cœurs les gars? Tu fonces, tu croches le coffre. On avait et moi, à la fin, mec, on est descendu à 3 cœurs, hein, gros. Ouais, on avait ouais. 3 cœurs. Bah, j'ai et pendant que tu croches le coffre, moi je cours pendant une minute. Je cours pendant une minute. Touché, notre preuve d'amour a été bougée. Moi aussi je vous love. C'est moi, regardez ce que j'ai écrit. Ok. Moi aussi je vous love, il y a écrit. On peut leur faire pression, il faut qu'ils arrêtent de crocheter. Mais toi, tu crois quoi toi? Vas-y, fonce tout droit dans le truc, on s'en fout. Ok, arrête de crocheter. Fonce, ils ont plus de cœur. Fonce, loup-garou. Fonce, loup, vite. T'es bon, recule. Gars, sors bon, de là, bon, sors de là. Sors de là. C'est bon, sors, vas-y. Ok. Oh là là, cette fin. Avec. C'est bon, site. Ah, cette fin. C'est quoi, j'en ai un truc, j'en ai juste marre. Oh, c'est bon. Oh là là, le niveau PVP qui va jouer là, beaucoup. Gap, mais gap, plus. Oula, ça lag. Gap, recule. C'est le serveur qui a lag. Gap, mais oh, GG. 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 GG, bien joué. Allez, montrez-nous. Bien joué, les gars.
qui est sorti à la fin. Oh là là. Grand chose. Hein. Vous avez quoi comme ça? On nous a pas tué pendant le lag, on a été cool en vrai, genre. Hein. Et du coup, on s'est fait tuer par ça, genre. Ah bah. On s'est fait tuer par le lag et on vous a pas. Vous avez plus de vie aussi. Ouais, dans tous les cas, on avait plus de vie. Il vous restait combien à la fin? Moi j'avais 5 gaps. Enfin, là on est. Il manquait juste une barre. Ouais, une barre, ouais. Oh, dans tous les cas, ouais. Putain, impossible. Et vous avez quoi comme staff? Ouais, vous avez quoi comme staff? Mais ouais, c'est P3, P2. Ah, oui, d'accord, ok, oui. 2 P3. Aïe, aïe. Non, P3, P3 et 2 P2, c'est pour moi. Bah, pareil, et... Pareil, ouais. Ok, vous avez du meilleur stuff dans tous les cas. Bon, bah, bien joué. Bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Bah, je pense que normalement il y a plus de teams, mais comme on a eu des annulations pour les maladies, tout ça. Non, mais c'était cool, Magic, franchement. Voilà. Voilà. Ouais, c'était cool. Allez, Miss Crochet. Bah, ça, c'était bah, plus. Je trouve plus sympa que la saison 1. Ah non, oh là là, mais crochetez-le ce coffre, regardez-moi, c'est. Allez-moi, c'est. Battez-vous, non, mais vous allez vous tuer ensemble. Il n'y aura pas de gagnant. Vas-y, tue-le. Non, mais elle se tue elle-même en fait, c'est ça le pire. Au petit trap. T'as un sauvelage. J'ai pas de sauvelage. Non, là là. Aïe, aïe, aïe. Hey, Lougaro, t'as quoi le mec? Strength. Et Miss Flamme, t'as quoi? Vitesse. Merde, ça marche pas. Ah, okay. Alors là, tu veux pas là. Ah bah non, t'es mort. Tu peux pas. Ouais, mais je comprends. Ah oui, c'est vrai que tout le monde est OP. Bon, bah GG de toute façon. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Beat the Cupidon. Je suis mort en tant que défenseur. Bon, de toute manière, je l'avais dit que face à Guile et Bichard, ça allait être très compliqué. Vous avez pu le remarquer, ils m'ont très très bien combo. Même si je leur ai fait très mal, c'était un combat quand même compliqué. Ils sont très 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 bons au PVP. Moi, je reste quand même un joueur relativement moyen, hein, vous le savez. Mais au final, je suis quand même content de mourir. Voilà, parce que pour vous montrer que je peux mourir en tant que défenseur, depuis qu'il y a eu le rééquilibrage, depuis la saison 1 avec Beat the Santa, je trouve que ça passe bien mieux comme ça. Il y a moyen de gagner, il y a moyen de perdre aussi. Et le fait aussi que les joueurs commencent en équipe de 2, que la vie soit liée ou pas pour les prochaines saisons, ça ne change rien. Mais ce principe-là est bien mieux, je trouve. En tout cas, faites-moi vos retours dans les commentaires pour savoir voilà, si ça vous a plu ou ça vous a pas plu pour cette saison. Je sais pas s'il y aura une saison pour Pâques. Comme je vous l'ai dit, je prépare Star Wars UHC. C'est un UHC qui prendra énormément de temps à la création, en même en termes de concept, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc je préfère me concentrer sur ça. Donc c'est pour ça peut-être qu'à la période de Pâques, il y aura peut-être Star Wars UHC à ce moment-là. Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir regardé la série jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.